Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Et salut beaucoup. Merci, je crois que je t'avais vu aussi sur... je crois que tu par... Ouais, attends. Non, si. Si, oui, tu participes. Bah, du coup, bonne chance à toi aussi. J'avais vu, ouais. Donc aujourd'hui, ouais, donc ça va être le marais. Là, le marais, je sais pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai refait un petit peu les emotes, surtout l'emote cœur, parce que elle me plaisait pas du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que bah je l'ai retravaillé. Je pense que ça peut se voir. Il y a une petite différence. Je vais vous montrer le avant-après, bien sûr. En attendant, le temps que tout se lance tranquillement. Alors, là-dedans. Voilà, alors, hop. Je vais vous afficher tout ça, bien sûr, l'avant-après. J'ai été affilié en quoi? En même pas une semaine. Vraiment pas beaucoup de temps. Et salut Bouddhi, par à toi aussi. Voilà, donc du coup, ça, c'était l'ancienne emote. Voilà, celle-là. Elle me plaît pas, hein, vraiment. Elle me plaît pas du tout. Et par contre, la nouvelle que j'ai faite, c'est celle-là, tout simplement. Je la trouve bien plus quali que l'ancienne, je vous avoue. J'ai bien plus bossé dessus aussi. Mais oui, il y avait un truc. Je suis vraiment beaucoup plus satisfait de celle de droite. Pour des raisons, bah, évidentes, quoi. Donc voilà, c'est ce que je me suis amusé à faire. J'ai aussi tenté de faire une autre emote. Mais non. Non, non, c'était mauvais. C'était mauvais, donc je préfère du coup. Je préfère du coup laisser comme ça pour l'instant les quatre petites emotes. Et oui, allô? La Switch? Vous entendez. Alors vous avez le son. Mais il n'y a pas. Attendez une minute. Hop, c'est normal. Non, ça c'est pas normal. Ah, voilà. Nickel. Nickel là, c'est bon, il y a le jeu, il y a tout. C'est bon. Préparez-vous à Ok, c'est combattre. juste parce que j'avais pas lancé OBS avant de lancer le. avant de lancer Smash, tout simplement. Avant de lancer la Switch. Du coup, ça fait n'importe quoi. Mais c'est bon, c'est réglé. Ah oui, vous avez encore le son, ça c'est nickel. Et oui, Woody! Je t'ai vu dire bonjour, je t'ai dit bonjour, t'en fais pas. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Je vais. Oui, si, je vais directement tout préparer pour que vous puissiez voir en même temps le bracket pendant que moi je le vois. Il est pas encore préparé. Non, ça va aller, Boudy, j'ai déjà mangé. Donc j'ai plus trop faim. Mais c'est gentil. Mais j'ai déjà mangé. Je sais pas si tu vas aller loin. Bah attends. Si je regarde, déjà, t'as contre qui en premier? Attends, je refresh. Je refresh. Ok, donc du coup, tu es où? Oh là! Il manque du monde. Il manque. Hein? T'es où? Bah attends. Quoi? Ah, donc tu te bats contre Serge, je le connais pas. Canard Pluma, pareil, je connais pas non plus. Après, tu vas potentiellement te battre contre Vergeture. La Vergeture, c'est. C'est un gros morceau. Oui, je suis sûr, Moody. Je suis sûr, je ne veux pas de pain. Attends, Serge lui dit. Possible, maintenant que tu le dis. Attends, je vais regarder. Si ça se trouve, je l'ai déjà battu. Vu que si c'est celui que je pense. Attends, je vous dis ça tout de suite. Ok, oui, bon, je. Bref. Alors, Boko, très bon Luigi. Ouais. Je l'avais 2-0, quoi. Je l'avais tout simplement 2-0.
Ah mais ça a encore changé. Ah tant pis. Ça a encore changé. Donc je suis où moi? Ah bah j'ai bien fait de pas prendre ton pain rassis, Woody, tu voulais m'intoxiquer. Fais gaffe hein. Je vais te dire hein, que tu tentes d'empoisonner les animaux comme ça. Comme ça, on va plus te confier à moi. Enfin, non, c'est plus inverse. On va plus me confier. Non, attends, on va plus te confier à moi. On va plus me confier à toi. Bon, bah tu pourras plus me garder, c'est ça le truc. Fais gaffe. Hein. C'est qu'un détail. Non, c'est pas qu'un détail. Ce n'est pas qu'un détail. C'est... T'essayes de m'intoxiquer, je peux rien faire de plus. Je peux... Ouais. Donc du coup, ouais, c'est pas notre tour. C'est pas notre tour du tout. Comment... Que faire? Je vais peut-être... Non, ça... Quoique si. Je vais faire quelques petits... Mais tu le fais pas, Woody. Tu le fais avec autre chose, je sais pas. Tu prends autre chose, tu prends un Renoudou, je sais pas, mais pas moi. Entraînement. Attends, Bloco, tu dis que t'es contre qui? T'es contre Dratian? Je connais pas. C'est marrant, tu me sors des pseudos, mais je les connais pas du tout. Oui. Si. Je vais traîner quelques trucs. Surtout en fait. Du footstool. Cancel que je peux pas apprendre. Enfin, que je peux pas apprendre. Eh, je sais pas. Voilà. Non. Non plus. C'est un truc à prendre. Non, là je l'ai pas eu non plus. C'est marrant parce que sur certains maps je l'ai, mais là je l'ai pas eu tout le timing. Est-ce qu'il faut... Non, je pense qu'il faut que je fasse un short hop. Non. Non, là j'ai fait une dodge, tout simplement. Mais je saute trop, je crois. Ah là j'ai réussi. Ok, alors comment? Bon là j'ai lâché le truc trop tard. Ah oui, ok, faut vraiment réagir. Faut vraiment réagir super vite. Ok. Ah bah bonne chance pour les Sonic, parce que oui. Ouais, Sonic, ça va pas être très fun pour toi. Eh, qu'est-ce que je fais? Non. Je veux pas zoomer. Voilà. Ah oui, mais du coup je peux plus te... Ah ouais. T'as trop de pourcentage, ça marche pas. Salut Leaf, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Bon, techniquement je suis en tournoi, mais vu que bah j'ai pas mon adversaire pour l'instant. Je fais des petits trucs en training mode, non pas comme ça. Ah là tu pars trop. Ah ouais mais ok d'accord, si je fous ce truc comme ça, ça... Ok. Bon, ça... je pense que je le trainerai plus chez moi. Enfin de mon côté, c'est mieux. C'est mieux. Et je vais plus faire quelques games. Peut-être... ouais. Si jamais il y a des gens qui veulent jouer en entendant mon match, bah let's go. Sinon je rejoindrai une arène un peu... Je rejoindrai 3, 4, 5, 6. Ok, c'est bon. 1, 2. Je vous ai parlé. Sinon je rejoindrai une arène au pif. Donc s'il y a des gens qui veulent venir,
juste bah, dites-le moi. Il n'y aura pas le système de join parce que justement bah, je suis en tournoi. Donc ce sera vraiment en petit comité. Ça sera un petit comité. Merci Diff. Ah, tu fais le Smash Bros là. C'est vrai que oh, ça fait un moment moi que je l'ai pas fait. Pour une excellente raison. Pour une raison en tout cas que je trouve légitime. C'est que le seeding se base vraiment sur leur tournoi à eux et pas sur l'ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu fais plein de tournois sur Smash GG, mais par exemple à l'international, donc je pense aux European Weekly ou autres, et que tu fais des bons résultats sur le Smash Bros, ils vont s'en foutre, ils vont te placer un seed random, alors que pourtant tu fais des bons résultats. Et à l'inverse. Si tu fais des mauvais résultats, peut-être pas à l'international, mais en France, ils vont aussi te dire mal. Pourquoi ? Parce qu'ils vont quand même regarder. C'est bizarre. J'ai déjà vu des gens qui gagnaient être seed au même niveau que des gens qui avaient un niveau totalement opposé. C'est pour ça, j'y vais plus. Moi, ça me perturbe personnellement. Donc, j'y vais plus. Ah, ça se. Non, oh, c'est dommage ça. T'as pas un autre tournoi qui peut arriver Enfin, qui peut. Pas qui peut arriver, mais qui est proche de chez toi. Où y'a que. Alors non, il n'y a pas... Non. C'est bien eux qui seed. Parce que le bot, lui, ce qu'il fait, c'est que il met les joueurs en place. Ah ouais, c'est une monthly. Ah, en soi, c'est déjà ça. C'est déjà... Au moins, tu peux faire des tournois off. Mais non, c'est... En fait, le bot, ce qu'il fait, c'est qu'il ajoute les personnes qui ont check-in. Et derrière, c'est les... c'est les organisateurs qui regardent. Ils font, ok, alors lui... Lui, ce nom, il me dit un truc, on va regarder. Tac, s'il me dit rien, je le cite bas. Lui, on a entendu parler, tiens, on va quand même regarder. Ok, d'accord, mais ils font comme ça. Ils regardent pas les joueurs inconnus, voir s'ils font des bons résultats. Donc, imaginons, je vais dire, par exemple, imaginons Boudi rejoint un tournoi, le Smash Bronol. Bah du coup, vu qu'elle est inconnue, vu qu'elle a pas fait de tournoi, voire pas beaucoup, ils vont la mettre ici de bas, et si ça se trouve, elle va arriver top 8. Donc ça n'a juste aucun sens. Hein. Et oui, tu gagnes. Tu gagnes. Sauf s'il y a un rondoudou. Là, s'il y a un rondoudou, tu gagnes pas. Ton Nemesis. Du coup, ouais, je vais rejoindre une arène au pif. Je vais créer une arène au pif. Non, c'est pas. Non, je vais pas faire de recherche. Le temps de me chauffer un petit peu, vu que je vois qu'en plus c'est en stream, Lustomkrat et. Préparez-vous à combattre. Et Plabou. Donc, ouais. Petite arène. Si un rondoudou tu éclates, ça plus je le fais rien. Bah écoute, faudrait déjà que t'arrives à battre cristal, Woody. Si t'arrives à battre cristal, là oui, on peut parler. 3, 2, 1, partez. Ah non! Ah si, c'est moi qui a. Hein? Ah si, bah si, j'avais la banane en fait. Ok, bon.
C'est un singe qui tape. Ah d'accord, donc c'est ça ta technique, c'est t'engrossis des gens pour Ok, je vois. Je comprends ta stratégie pour gagner. Ah bah j'ai vraiment bien fait de pas proposer du pain. Bon, le singe. Le singe il dort un peu. Et salut Oula, comment je pourrais prononcer? Je vais dire please pour l'instant, tu me diras si. Tu me diras comment ça se prononce parce que j'ai pas envie d'écorcher. Donc salut please, j'espère que tu vas bien. Eh oui, t'as plus de bananes. Touch, comme ça, touch. Bah Boudi, si tu veux me taper, tu peux. Le temps que mon match il arrive, ouais, aucun souci. Écoute, moi ça va nickel. Bon, je suis juste en attente de tournoi, enfin de mon set parce que. Ouais, attends, merci de follow, touch. Merci Rafi. T'as vu Rafi, je sais pas si t'as vu, j'ai un peu changé j'ai un petit peu changé l'emote du cœur, enfin un petit peu. J'ai totalement changé l'emote du cœur en fait. Mais ouais, là je suis en attente. Baisser le son du jeu. Ah ouais, je trouve qu'il est un peu trop fort. Je sais pas, on m'avait déjà demandé de le baisser à un moment. Après c'est vrai que là je parle pas trop fort non plus, mais oui aussi. Bah je pourrais le baisser, ça c'est pas un souci. Oh, bon bah voilà, le baisser oui. Je l'ai baissé un petit peu. J'espère que ça va le faire, même si. Ça m'étonne que tu l'entendes un peu trop haut. Après c'est possible. Ah bah y'a Boudi justement. C'est autorisé au Québec? Attends, je vais te dire ça. Je vais te dire ça tout de suite Rafi. Vas-y Boudi, on peut lancer. Alors c'est pas précisé, donc je pense. Ouais, je suis en genre en Shinobi. Alors du coup Rafi, c'est pas précisé si les tournois ils étaient autorisés au Québécois. Donc je pense, par déduction, je pense que c'est autorisé. Parce que sinon, en fait, moi je pars du principe que si c'est pas écrit que c'est interdit pour accepter des joueurs, c'est autorisé. Et puis même aussi, la dernière fois j'étais tombé sur un joueur qui était... je me rappelle même plus. C'était pas un français. C'était une longueur plus bizarre. Non, pas du tout, je suis pas en recherche de tournoi. Je suis pas du tout en recherche de tournoi. Là en fait j'attends juste mon match. Parce que mon match est déjà en train de jouer et donc je dois juste attendre mon tour en fait. Je commence tour 2, là le match tour 1 il est pas encore fini. Ah oui c'était le snake. Alors est-ce que. Je crois que c'était quelque chose du genre, ouais. C'était une langue bizarre en tout cas, mais je pourrais chercher, hein, ça c'est pas un souci. Ouais, c'était SP1. C'est totalement SP1. Ah oui, c'est vrai, oui.
sautes. Oh, t'as de la chance. Attends donc. T'as juste le son, l'image est prise. Ah. Pour l'instant il y a 1-0. Donc techniquement tu l'avais presque. Bon alors Rafi, faut pas. Oui. Bon ok. Ça fait un moment que je joue, ça fait. Attends. Parce que sérieusement, ça fait 3 ans, mais sinon je joue depuis. En casual. Je joue depuis Melee. Ouais, je crois que c'est ça, depuis Melee. Peut-être 2 ans après Melee. Mais en casual, ouais, ça fait longtemps. Mais du coup, Touch, oui, techniquement, tu peux rejoindre. Il y a 1-0. Bon, je promets rien, parce que ça se trouve, juste après ce match, hein, il y aura peut-être 2-0. Et donc, du coup, bah, je vais fermer l'arène pour pouvoir faire mon match. Hein. Ah mince, c'est le mauvais côté. Ah bah écoute hein, j'ai mis du temps pour step up. Le meilleur exemple que je prends, bon je vais me répéter, mais c'est l'apprentissage du Dragdance qui m'a mis pratiquement 6 mois à bien le maîtriser. Après bon, c'est sûr que pendant ce temps-là, j'ai pu apprendre pas mal de choses. Bon. Je fais du mauvais côté de cette bille. Le foutu Dragdorn, et oui. Par contre, je suis même pas en train de jouer en fait, je parle. Et vu qu'il tape tout le temps, bah. Je lirai les messages un peu plus tard. Je vais finir le match. Hein. Enfin, je vais essayer de vous lire quand vous écrivez, mais là, ceux qui sont déjà remontés, pourront que je remonte. Et je peux pas remonter, simplement. Non, alors c'est pas un draft down, c'est un drag down. Non. Et en fait c'est le fait de pas finir son coup. Enfin c'est une sorte de spike, je sais pas si tu vois ce que c'est un spike. Mais c'est pas. Enfin ça a pas les mêmes effets qu'un spike. Je pense qu'un exemple vaut mieux que 1000 mots, mais il faudrait qu'il me laisse le faire. Bien évidemment, il me laisse pas le faire. Oh. Ah. Mais non, il dodge. Bon, par contre, il est vraiment bête. Bon, je peux pas te montrer le drag d'Andre. Ah mais non, mais c'est ça en fait, quand tu t'as pas bien assimilé le drag d'Andre, c'est compliqué de faire des choses derrière sans paniquer. C'est tellement rare que tu te dis « Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que je viens de faire ?» Oh oui, oui.
Ah ouais, non, mais par contre, ça tape, ça tape, ça tape. Je le sais très bien que tu vas taper. En fait, je peux juste m'amuser à contrer. Juste, je contre toute la game. C'est quoi ton gameplay? C'est de contrer. Ah. Mais non, mais écoute Rafi, ça tape, ça tape, ça tape. Ah, bon, du coup c'est à mon tour. Vous pourrez pas. Attends, je remonte du coup. Je remonte. Tu joues depuis une semaine et demie, tu joues Falco Touch. C'est vrai que Falco c'est un bon perso. Ouais, du coup je vais fermer l'arène. Tout simplement. Parce que ça va être mon tour, ça va être mon tournoi, donc désolé. Vite, faut que je in. Qu'est-ce que vous me dites? Donc du coup, c'est un bon... Oui, Falco, c'est un plutôt bon perso, il a des bons combos. Il a des bons combos. Tu tentes de le faire, mais tu n'arrives pas souvent, et donc ça j'avais lu, donc tu paniques. Et salut Munja, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Merci Rafi, merci d'être passé. Faites pas les fous. Préparez-vous à combattre. Là, ici. Non, ça va, je me suis pas trompé de mot de passe. Hein. Hop. Nice, t'as passé un tour. Ah, mais Munja, les nouvelles emotes, elles datent un peu. Attends, c'est. Bah. Celle-là et celle-là. Je les ai mis il y a un petit moment maintenant. C'est juste celle-là. Le cœur que j'ai refait. Parce que l'autre, il me plaisait vraiment pas. Et je trouve que niveau qualité, il n'y a pas photo, tout simplement. Ça joue harmonie. Qu'est-ce que je fais moi? Je fais n'importe quoi. Hop. Harmonie. Oh là là. Bah écoutez. Oui. Bonne chance Boko, bonne chance. Il manque un caractère pour... Ah oui! Je lui ai pas donné le bon ID. T'inquiète Munja, j'ai des disjoints. J'ai mon fer, j'ai mon air. Et j'ai mon fer. Et j'ai mon neutral B et mon fer. Je t'ai dit que j'avais mon fer? Je crois que j'ai mon fer. Après ouais, Luxtom 4, on m'en a parlé. Je vais rien dire dessus, je vais rester neutre. Mais on m'en a parlé, c'est tout ce que je peux dire. J'en ai déjà entendu parler, voilà, c'est plutôt ça. J'en ai déjà entendu parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoute, là j'ai mon match qui va arriver, donc pendant que je joue, là je vais moins vous lire, c'est normal, je vais juste moins vous lire, parce que je vais focus en fait, et si je focus en vous parlant, bah je me focus pas du tout en fait.
C'est un BO3. Un BO3, les BO5, c'est vraiment à la toute fin, et vu que là c'est le premier, oui, c'est ça, c'est le premier. Mon premier match en tout cas, bah c'est un BO3. Ok, il est arrivé. Oui, c'est un tournoi. C'est un tournoi Touch. Tu peux le voir au titre. La Marae, saison 2, 26, 24, je sais pas. Et je sais pas écrire moi en fait, oui, bien sûr, c'est pas le 24, c'est le 26. Hop. C'est SS, oui, c'est la saison, et 26, c'est le numéro du tournoi, enfin le numéro. C'est la 26e édition de la saison 2, tout simplement. Oula, calme-toi, c'est un peu trop rapide à mon goût. Hop. Et bah bonne chance beaucoup, moi aussi je vais focus là. Merci Touch. Je vais beaucoup m'en parler là. Dodge. Mais ça meurt. J'ai roll, c'est ma faute. J'ai roll. T'as retiré ton shield. Ah lourd. Meurs pas. Merci. Pas non plus. Paris, F Smash, fin. Et c'est une victoire pour Merci Woody. T'as pas trop fort quand même, hein. Casse pas ton plafond.
Casse pas ton plein fond. Ah mes tâches là, je suis en plein tournoi, je peux pas, peut-être une autre fois ou peut-être à la fin de mon tournoi, mais là vu que je suis vraiment en plein tournoi, c'est impossible. Ça aurait été un plaisir de pouvoir t'aider, mais là ouais je préfère focus, je préfère juste faire mon tournoi, vu que moi aussi j'aimerais bien step up. Oui, plus tard bien sûr, plus tard aucun souci. Plus tard, vraiment aucun souci là-dessus. Ah, je suis dégoûté. Eh oui, trop tôt. Je saute, je saute, je saute. Ça, c'est un track down. Ça tape, hein. Ah, je suis débile. Oh, j'avais la ride. D'accord. C'est faisable. Et...
Ah. Je bourre dans le shield. C'est logique. Et c'est une victoire pour Harmonie et Numan. Salut chou! Mais c'est pas terminé, hein, t'inquiète. T'inquiète pas, c'est pas terminé. Ouais, enfin là en fait, je me fais avoir parce que je tente pas de grab. Je me fais avoir juste par ça, juste parce qu'il shield beaucoup et que je. Bah, je fonce dedans, quoi, tout simplement. On va prendre ça. Je le sais, mais je sais pas. J'ai pas envie de grave. En fait, son. J'en sais rien. J'en sais rien du tout, hein. C'est ça que je devrais faire depuis le début. Et non, t'es pas là. Arrête.
Oh bah oui. J'ai bien fait de pas changer à fond. Oh mais non! Sérieusement, le luma qui... Non! T'as sauté, t'as plus de saut! Hein? Attendez, quoi? C'est quoi? Hein? Quoi? Vient de se passer quoi? Hein? Allô? Ouais, mais non, mais me dites pas qu'il a rage quit, hein. Ouais, Chou, j'ai remarqué ça à la game 2, que quand je faisais plein de shurikens, ça le faisait chier. Après, ce qui... Ça faisait que je pouvais pas du tout avancer, moi, non plus. Et moi, quand je veux bien camper, de temps en temps, mais il faut quand même que le mec, il approche ou qu'il commit. Et là, vu qu'il faisait aucun commit, il restait tout en safe, bah j'ai dû approcher au bout d'un moment. Ouais, moi non plus, j'ai pas vu, en fait. Alors, j'ai bien vu à un moment que j'ai raté mon 7B. Ensuite, non, j'ai même pas tapé le Luma. Ensuite, il est descendu, mais vu qu'il... Non, c'est ça, j'avais fait un fer, il avait claqué son saut. Il avait déjà claqué son saut. Bon. Du coup, je vais en parler. Parce que il le. Okay, c'est véridique. Hein. Il a aucun mental. Du coup, c'est bien ce qui. C'est bien ce que je pensais. Je vais mettre une preuve, hein, tout simplement. Hop. Il a zéro mental. Quand je dis zéro, c'est zéro. Merci Touch. Et salut Chaos, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Si il a défini BO3. Le BO3 est fini et du coup je repars directement sur un autre BO3. Non Chaos, y'a pas d'ID. je suis en tournoi, calmez-vous. Oh là, attends, quoi? Sauf quoi? Non, alors. Je m'en fous qu'il rage quitte. C'est son comportement. Ouais, j'ai gagné Chou, j'ai gagné. En fait, là je. En gros, ce qu'il m'a dit. Il a pas parlé du set du tout. Et à la fin du set, il a juste marqué Nice dash attack! En mode, bah mec, tu bourres les dash attack. Alors que. J'ai très bien compris ce qu'il faisait. Tirage, Luxomcrat.
Hop, alors. Ouais, je suis un petit peu long là, je fais plein de choses en même temps. Bah du coup, Chaos, oui, je confirme. Je confirme la tilt tout le temps. Surtout en fait, il a zéro mental. Oh, une bio. Une bio. Une Bayonetta, alors. Oui, déjà, Chou, c'est pour Yves Punish, mais je me faisais avoir beaucoup de fois, hein. Je tapais beaucoup dans son shield. C'est pour ça que j'ai commencé à grab. Il a jamais ragé versus toi? Ah bah écoute, moi, je fais 3 games avec lui, il tilt. Qu'est-ce que... Oui, tac tac tac. Oui, les Bayonetta, c'est un peu relou, mais il faut jouer avec. Ah bah écoute, on verra bien, on verra bien. Oh là, oh mais... t'inquiète pas Chaos, je suis en train de remonter le chat. J'ai même pas vu ton message. Mais oui, je suis pas en attente. C'est juste que je parlais un peu aux viewers. Je vous parlais un petit peu. Avant de bien focus. Du coup, c'est SBF. Ok. Bon, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Le tournoi il est public, ouais. Si tu veux voir le bracket, tu fais point d'exclamation bracket. Et tu verras où c'est que j'en suis. Le tournoi est ouvert à tous. Faudrait quand même, du coup, pour répondre à ta question, Rafi, faudrait que je demande à Aerelis. Non, c'est tout collé. Tout collé, Touch. Tu t'inscris quand? Bah, vu qu'il a commencé, là, c'est pas trop possible de s'inscrire. Les inscriptions sont fermées. Mais je suis un fou, moi, je saute contre une bayo. Ah, bien vu ça, l'attente. Dommage. Ok, le back air. Ah, je suis mort. Ah, j'ai essayé de SDI. J'ai essayé, ça n'a pas passé. Ouais, ça c'est logique que je me prenne ça. Ah, au secours. Ok, je prends deux stalls en l'air.
C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bien vu. Bien fait de faire ça. La bonne tech. Ok, ça saute pas. Par contre, je me fais avoir là-dessus. Je meurs pas. La bonne chance pour me tuer. Je suis bête. Ah, Fro, ça tue pas. Et le spike. Ah, j'ai sué sur celle-là. Je voulais pas mourir. Je suis pas mort. Et salut Zozo, comment ça va? J'espère que tu vas bien. C'est quoi la SDI, Tats? C'est une Smash DI. Et c'est le fait de... Donc le principe, c'est le fait de reset ta DI, donc de remettre ton stick en position neutre et de la refaire. Et de faire ça en boucle. Bah pour l'instant, ma run Zozo, je suis en 1-0, round 3. Donc ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. Alors ça sert à quoi? Ça sert en fait... c'est beaucoup moins visible sur Ultimate, mais en gros sur... SBF le retour, oui. Mais en gros sur Smash 4, tu pouvais voir carrément ton personnage bah, faire des... un espèce d'angle inversé. Et du coup, oui, ça permet de sortir des combos comme ceux de Bayonetta, par exemple. C'est pour ça que je le fais beaucoup plus souvent dessus. Ah, avec le boulot, tu peux pas jouer? Ah, dommage. Une autre fois, peut-être? Une autre fois. De toute façon, le barret, c'est toutes les semaines. Hein. Ouh là là. J'ai cru que c'était suicide. Ah, j'ai claqué mon saut. Ok, bien vu. On va pas avoir par ça. Bon ça ok. Là tu vois ce que je viens de faire, Touch, c'est un drag down. Le truc où je mène au sol, jab 1, jab 2, F smash. Ah mince. Ah j'ai plus de saut. Dommage. Quand même à un moment. Je me suis pris 100%, je suis dans la sauce. Non! Bon, logique. Is that all you've got?
Hein ? Quoi ? Non ! Il s'est... Attends. C'est moi qui... C'est de mon côté ? Non ! Oh merde, mais... Il s'est passé quoi ? What ? What ? Oui, oui, non, mais oui, c'est moi, mais... Ah, merde. Bah, en soi, j'ai encore le replay, donc on peut se remettre au pourcentage. Bah écoutez, ouais. Ouais, ça fait chier ça par contre. Hein. Préparez-vous à combattre. Ah ça, c'est chiant. Oh non, je suis dégoûté là par contre. Ouais, du coup je lui ai redonné l'idée. Ouais là ça, pas de chance là. Ouais. Pourtant mon stream il a, enfin je pense pas qu'il ait eu de drop. Ah, je suis tellement dégoûté que ça se passe comme ça. Oh. En tout cas, il est revenu. Alors, du coup, avant le crash. Ok, alors, du coup, j'avais... Donc moi j'avais... Ok. Alors... J'avais 69% une stock et toi... Attends, il avait... Ah oui, bah oui. Et toi, 58% de stock. Ah, oh, je suis quand même dégoûté. Ok, bon. Il est ultra sympa. Il m'autorise à refaire, à remettre avec le nombre de stocks. Franchement. Vraiment trop sympa. Hop, pourquoi je me suicide deux fois, il va mettre 69% et moi je vais lui en mettre 58, ça. Ok. Ok. 41. 49. Et presque. 62.
64, 67, 68. Allez, encore un. Ok, nickel. Et moi. Ah, ouais. Ça va plus vite comme ça. Il avait. Il avait 59. Ok. Ok, nickel. Et bah, let's go, on reprend. Vraiment un gain en or. Il s'est passé quoi, Rafi? Bah, je sais pas. Ma Switch a déco. Sans aucune raison. Donc, on a refait le match vite fait. On a refait le match. On s'est remis au pourcentage de stock. Hop. Donc, ouais, c'était vraiment bizarre. Ouais, pas pratique. Pourtant, de mon côté, j'ai pas eu de problème. Enfin, en fait, le stream, il a pas crash, hein, donc... Donc ouais, je sais pas. Je vais vérifier quand même, bah... Pourtant non, je suis encore encâblé. Peut-être, ouais. Je sais pas du tout. J'espère juste pas que ça a la sortie du match en fait. Mais ouais, c'est pas pratique du tout. Ah, il me laisse quoi? Allez, ma map Nemesis. Elle est où? Elle est là. Ok. Ok, ok. Bien vu ça. Le vieux jab. Ah, j'ai pas couru. Ah là, c'est la sauce, hein. Dommage. Hop, je rattrape les pourcentages. C'est que je dois pas être, je garde Bayo. Wow. Bien vu ça, bien vu le... la ring de roll. Ok. Je suis mort? Non. Ah,
Ah, dommage. Là, je suis mort, ouais. Là, il m'a bait. Il m'a bien bait, ça. Dommage. Non. 1, 2, 3, 4, ça meurt pas. Il s'y attendait pas à ça. Ok, bien vu ça. La bonne DI. Ça c'est une douille. Ah. Oh non. Oh, trop triste. Je l'ai douillé avec mon counter. Et vous savez ce qui m'attend juste derrière? Vous savez ce qui m'attend? Bien évidemment, une autre Bayonetta. Une deuxième Bayonetta, directement. Mais... si, ça sera tout de suite en fait. Ça sera tout de suite. Merci Tats. Ouais. Directement petit radiateur. La bio. Et après, il y aura beaucoup d'attentes. Ouais, il y aura pas mal d'attentes après. Là... je l'avais déjà combattu, petit radiateur. C'était fini en 1-2, pareil, mais j'avais perdu. J'avais perdu pourquoi? Parce que je m'étais pas focus à la fin, tout simplement. J'avais pris Yoshi. Je commençais à lui mettre la misère. Je l'avais mis de stock, pas mal de pourcents. Et à un moment, je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis dit, tiens, je suis en confiance, je vais relire le chat. Et j'aurais pas dû.
Très clairement, j'aurais pas dû que... C'est ce qui m'a fait perdre. Alors ouais, j'ai fermé l'arène, pourquoi? Parce que tout simplement, on va être en stream. Oui, ça, on va être en stream. Chez Human, Human Bomb. Donc moi, bien sûr, je reste ici pour continuer. Enfin, pour... ouais. Si, pour tout simplement pour continuer ma petite run. Mais ouais, il y aura le petit Human qui va arriver. Qu'est-ce qu'il a banni? Oula. J'en laisse deux, Yoshi ou Smashville. Je vais... Ouais. Alors, je vais juste faire un truc. Je vais vérifier ma connexion, donc c'est pour ça qu'il n'y a plus rien. Je préfère éviter de vous donner mon adresse IP, parce que bon... bon. Si je vous donne mon respect public, il y en a certains qui vont douiller. Enfin, qui vont douiller. Qui vont me faire douiller, en fait. Et je veux pas. Ok, 60-22, donc non, c'est good. C'est good. Donc non. Hop, je raffiche. Non, je sais pas. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Ouais, là, oui, on attend plus que Human. Je vais voir où c'est qu'il en est. Il en est où? Il est là. Il est là. Alors. Bah, écoute, il nous attend. Mais on n'a pas l'ID. On n'a pas l'ID du tout. Ah, il arrive. C'est bon, j'ai Lady, j'ai tout ce qu'il faut. Hop. Directement. Préparez-vous à combattre. On avait pris quelle vie? Quelle map? Yoshi. C'est parti sur Yoshi, ok. C'est parti sur Yoshi. Qui est là. Hop. Directement. Plus qu'à attendre petit radiateur et c'est good. On va pouvoir lancer. J'ai déjà mis la map. Il est là. Ah oui, en direct. Ah oui, j'étais pas prêt, moi. Et bah, let's go. Une autre bio. On a déjà vu une première bio. Pourquoi on est trois? Parce qu'il y a un streamer qui caste à côté. Moi, je fais juste ma run. 3, 2, 1, partez.
le nerf. Oula, petit freeze, oula. Ouais. Allô. Ça va que je cross up. Ah, je suis mort. T'as voulu refaire un temps de vie, toi. Logique, logique, logique. C'est faisable. C'est faisable. C'est faisable. C'est faisable. Let's go. Le fou, le all-in. Mais bah, c'est fini. C'est fini, voilà. Tout simplement. Je l'ai douillé as fuck. Et du coup, Tats, oui, c'est parce que... On est, y a un streamer qui stream du coup le tournoi. Et là, il stream notre match, tout simplement. Il choisit son stage. Ah, ça va être compliqué du coup, ouais. Je l'ai forcé à prendre Yoshi pour bien le douiller comme il faut. SBF. Eh ben, let's go SBF. Let's go SBF. Lucina. Il a pas choisi son personnage. Allez. Il n'a pas choisi son perso, c'est pas grave. Alors, Lucina, je suis censé le manger. Mais non, il a pris de Bayo, ce... Il a... Ah. Oh, il a troll. Oula, 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 oula. Oula. Oulala. Oula. Alors. C'est violent là. Là c'est violent. Là c'est ultra violent. Qu'est-ce qu'il dit notre cher Human? Ah. Oui. Ok, ça me paraît good. Oh.
Oula. Oh, je suis mort là. Ça va. Ok. Il remonte très mal. Ah! Alors je serais pas étonné si c'est moi qui lag, hein, par contre. Enfin, je serais pas étonné côté Switch. Côté Switch, je parle. Ah oui. Ah ouais, là il est mort. Ah dommage. Non, tu fais pas ça. Oh, wait. Plus de saut et c'est fini. Merci Chaos. Ah non, Chaos, le radiateur, c'était la bio. Oui, il joue Bayou. Et j'ai affronté René Owe. Ouais, le bracket, ouais. Du coup, je passe en top 8 directement, Chaos. Je passe directement en top 8. Top 8 winner. Par contre, Chaos, t'aurais dû voir la première game. J'aurais tellement dû voir la première game contre Petit Radiateur.
Merci Tats. Ce qui s'est passé en gros, c'est que j'ai fait dash attack, back air. J'ai fait dash attack, back air, land sur la plateforme, back air, side B. Tout ce qu'il a fait, lui, c'est dormir. Donc du coup, c'est passé. Et deuxième fois, il a l'air revenir en side B. J'ai pré-shot un side B. Je l'ai tué à quoi? À 50, 60% même pas. Et du coup, j'ai fini la game là-dessus. Moi, j'étais heureux. J'étais heureux. Je l'ai douillé deux fois. C'est terminé. C'est terminé. Ciao. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Bah, j'ai pas mal d'attentes, hein. Ouais, il y a pas mal de sets d'attente. Il y a même beaucoup de sets d'attente. Attends, il y en a combien? Il y en a 1, 2, ouais, au moins 2, 3, allez, on va dire 3. 3 sets d'attente. Environ, allez, 15, 20 minutes. Donc, ouais, il y a bien une heure d'attente. Avant que je commence réellement le top 8. Bah, je pense que ce qui va se passer, tout simplement, c'est que je vais créer une arène où vous pouvez jouer. Ça dit qu'il... Oui, j'ai remarqué, oui, c'est un petit débile, mais c'est pas grave ça. il s'est fail, il a mis Bayonetta, c'est pas grave. En soi, ça change quoi, Chaos, que... Qui est mis. Enfin, si, ça peut changer et faire chier s'il y a une VOD à côté. Préparez-vous à combattre. Mais c'est juste une erreur d'intention, ça, c'est pas très grave non plus. Du coup, hop, le code, je vais le changer. Mais je vais aller là. Ici. L'ID donc. MM1XH. Et le mot de passe, ça va être 0507. Hop, si vous voulez venir en attendant, le temps que les matchs ils arrivent, vous pouvez. Moi j'ai pas de soucis là-dessus. Salut Kev, comment ça va? J'espère que tu vas bien. First, effectivement, first. Bah écoute, ça va nickel. Là, je suis sur le marais, je suis en top 8 winner. Donc je finis... attends. Ouais, je suis en top 8 winner, donc du coup je finis au moins 6ème. Je crois que c'est ça. Ouais, au moins 6ème. J'ai eu quelques péripéties, comme ma Switch qui a décidé de plus avoir internet ou une bio, enfin une bio. Si oui, une bio qui a eu un petit freeze, mais au final c'est passé. Ah, dommage. Ouais. Bah oui, Chaos. Attends, t'as du lag et moi je peux te punir derrière. Dodge.
Ah, j'étais trop lent. J'étais trop lent. Et non, ça marche pas. Ok, je tape beaucoup dans le shield, je fasse gaffe. Ah oui, d'accord. Ok, bon, sauter c'est une mauvaise idée. Taper dans le shield non plus c'est une mauvaise idée. Oh mais je le fais avant, je pense que je tape dans le shield. Oups. Oh t'es tellement léger. T'es tellement léger, Chaos. Bon là j'ai pas tech, ça c'est ma faute. J'ai même pas essayé d'y aller. Eh bah oui. Ah oh là là, je fais la même chose, H24. Je fais n'importe quoi. Ah bon. Oh vraiment. Bon, j'ai pas dans Smash. Ah, c'est pas passé, dommage. Non, non, ton Fox, il est trop bizarre. Tu te fais avoir parce que je suis un client, c'est tout. Mais il est trop chelou, ton Fox. Je t'assure. 3, 2, 1, parti! T'assure que c'est véridique, tu fais je sais pas quoi avec ton Fox, ça. Regarde. Déjà d'où un Fox fait un fer? Depuis quand un Fox fait un fer déjà? Ouais, c'est... je serais même pas étonné que peut-être s'ils te battent. Regarde un petit peu aussi qu'il y en a le tournoi. Ouais, il reste 2 sets. Il reste 2 sets. Ouais, c'est ça. Ah non, mais là pour moi en fait, j'imagine bien en fait, Chaos, il a mis des smashs sur son stick C. Ah bah non, je sais pas, il fait des tilts.
Donc si il peut, il met des smash sur son tilt, il fait des up tilts, et de temps en temps il fait des nerfs, des nerfs. Il jump A. Oh, bien vu ça. Bien vu ça, Dats. Ah non, c'est Touch. C'est vrai, c'est Touch. Up smash. C'est bon, on a compris, Chaos. On a compris. Pas besoin de le faire 50 fois. On a compris que c'était un kill move. En tilt, faire. Déjà, juste voir un Fox faire un fer, c'est bizarre. Ah non! Ah ouais, non, là tu remontes pas, Touch. Tu remontes pas du tout. J'en étais sûr! Je le savais! Hein? Même avec graines? What? Ah mais du coup en fait là tu joues juste amphi online en fait. T'as pris Fox mais en fait c'est un amphi caché. Comment on saute sur les murs? Alors il faut que tu sois collé au mur. Attends deux secondes Chaos. Faut que tu sois collé au mur. Et que tu mettes ton stick à l'opposé. Donc par exemple, regarde là, je me colle au mur, je mets mon stick à l'opposé du mur et je fais un wall jump. Non, je suis même pas sûr qu'il puisse, Fox. Ah non, là je suis trop bas. Mais en gros, voilà, c'est ça. C'est, tu te colles au mur, tu mets juste ton stick de l'autre côté. Et après, ça va au jump. Let's go! Ah ça j'adore. Je sais pas si j'étais compréhensible, Touch, tu me dis. Si jamais tu comprends pas, faudrait prendre une map avec un mur. Enfin faudrait qu'on tombe sur une map avec un mur. Pour mieux t'expliquer. Et aussi que tu puisses tester en même temps. Ah bah oui. Oh ça va. Pas très sympa ça. Ah bah Azor et Marquis qui viennent au même moment. C'est parce que Prof il a fini, c'est ça? C'est ça, Prof il a fini et donc du coup vous venez. Oh là là. Et non. Ah oh, la bonne vieille. Et non. Je te répondrai après Teach et pareil Azor Marquis. Ah, j'ai déjà le 2. Ok.
Mais t'es un putain de troll. Ah non! Oh la vache, mec. Ok. Genre ça remonte. Ouais, bah oui, bah oui. Bah oui, c'était sûr. Attends, du coup. Attends, moi j'ai ta loose contre Curaçao 6-2. Hein ? Tu fais aussi le tournoi, Marquis ? Attends, vraiment ? Ah ouais, tu fais le tournoi. Ultra serré. Bah, en vrai, pour une personne qui joue depuis pas longtemps. Il est vraiment bien. T'as réussi à assimiler les combos du perso. Et déjà c'est bien. Bon après il y a tout ce qui est neutral etc à avoir, donc c'est autre chose. 3, 2, 1, parti. Oui, ça je sais que Fox remontait plus que Falco, mais à ce point là c'est vrai que je pourrais de t'approcher par au dessus toi. Ouais, fais attention parce que ça c'est un disjoint. Ok. Tu devrais pas faire un deuxième coup de pistolet quand tu vois que je saute. Voilà, là tu vois, tu fais un deuxième coup de pistolet, c'est pas bon. Ah mince, j'ai oublié de reverse. Ouais, un peu trop tôt. Ah, et là je sais pas ce que t'as. Je sais pas du tout ce que t'as fait. Non. Ah, j'ai essayé de te sauver. J'ai essayé, fallait tech là. Ok, le jab. Le backer nature. Ok. Quand on te met la potion de shield, t'aimes pas. Fais gaffe avec les donners, vraiment. Ah, beaucoup trop loin. Oui, je dodge dans toi. Oui. Non. Pas de web smash ou sinon fallait le... Mais Azor, c'est trop dur les footstools. Je t'assure que les footstools c'est beaucoup trop dur. Ah mais oui, en fait, je pense que tu... Mais normal, t'as vu ton saut? Ton saut il est aussi grand que ma... Ah non, j'ai rien à dire. Non, du coup ton saut il est minuscule.
Hein? Non, rien, non, rien. Oui, j'ai plus de saut. Pas grave, j'ai pas besoin de 3 stocks contre toi. Oh oui, c'est vrai que je me TP. Je me TP d'une façon enfin, bizarre face au Projo. Tombage contre Serge. Quoi contre Serge? Mais il est en train de perdre. Bah bonne chance hein Luigi. Il aime pas ma façon de jouer, donc je pense pas qu'il va aimer la sienne, vu qu'on joue à peu près de la même façon Marquis. Et bonne chance hein. Eh hey, le buffer. Eh bah oui, c'est. Bonjour. Qu'est-ce qui va pas dans ton gameplay? En vrai, ton neutral, pour le moment, enfin, oui, si, c'est. Ça sera à travailler le neutral. En gros, tu fais des choses, mais tu regardes pas ce que l'adversaire a fait auparavant, ou même ce que. Bah, ce que l'adversaire peut faire. Après tu connais peut-être pas les options, ça je veux bien entendre. Mais principalement c'est ça. Et rechou. J'attends mon match Azor. J'attends mon match contre Antorode, top 8 winner. Je comprends pas trop Tatch, en gros c'est ce que tu vas faire en fonction. Comment expliquer? En gros le neutral, pour faire simple, c'est comme si on a tous les deux les mêmes options. Donc en gros. On a tous les deux les mêmes possibilités, c'est plutôt ça. Par exemple, on peut tous les deux sauter, on peut tous les deux attaquer, on peut tous les deux shield. Ça, c'est le neutral. C'est quand il n'y a pas d'avantage l'un sur l'autre. Et toi, du coup, dans ton neutral, ce que tu fais, c'est que tu vas faire une action sans réfléchir à l'action de l'adversaire. Je pense au down air que tu faisais au landing, enfin quand tu retouchais le sol. À un moment, t'as fait quelques down air pour retomber. Et je l'ai très vite compris. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu t'es fait punir. Parce que je l'avais compris et donc je profitais de cette erreur là. Ça va être plein de petites choses comme ça. Pareil aussi. Y a quoi d'autre? Y a les petits pistolets. À chaque fois, t'en fais deux. Toujours dans le même ordre. Tu fais 1, 2, tu t'arrêtes. Peu importe ce que je fais, donc du coup moi ce que je fais c'est que j'ai juste à sauter, tu vas quand même faire 1, 2, et après je peux te punir. Ton neutral lui je parle. Donc pour ça ce qu'il faudra faire c'est par exemple, t'en fais 1, si tu vois que je me fais toucher t'en fais un deuxième, si tu vois que je saute tu arrêtes. C'est vraiment que du visuel. Du visuel et bien sûr de... mince, j'ai pas le mot. Du visuel et mince, quand c'est sur la manette.
La mémoire musculaire peut-être. Je crois que c'est ça. Visuel et mémoire musculaire. Non, ça c'est... Non, ça a rien à voir. Ouais, y a ta lecture de jeu, mais y a pas que ça, Dash. Parce que, en soi, c'est pas vraiment une lecture de jeu, c'est plus... Enfin, si, en soi, c'est une lecture de jeu, je suis d'accord. Mais y a aussi tout ce qui est déplacement, etc. Et juste, en fait, juste en apprenant la lecture de jeu, tu vas comprendre que si tu te déplaces trop vers un côté ou l'autre, et ben ça va pas être bon pour l'adversaire. Enfin, ça va pas être bon pour toi, du coup. Et bien sûr, si tu fais des moves plutôt safe, là ça va être mauvais pour l'adversaire et tu pourras punir derrière. J'espère que je suis compréhensible. Parce que ouais, expliquer ça, c'est pas simple. Hein. Et vu que je suis pas le mieux placé pour donner des conseils comme ça sur une ou deux games, je te conseille de te référer à Dash Prof si tu le connais pas. Dash Prof, c'est un streamer aussi qui coach les gens. Oui, bah c'est pas grave, Tash. Si t'es déstabilisé, c'est que du coup tu dois pas être aussi avancé que je le pense. Et donc je te conseille de te référer à Dash Prof, un autre streamer qui stream aussi, et en fait lui il va faire du coaching, donc c'est du coaching gratuit, donc il y aura une liste et tu vas être pris aléatoirement. Et si t'es pris, là il pourra te donner des conseils sur quoi faire en deux games. Deux games ou une game, ça dépend de comment ça se passe, mais vu que t'as l'air moi je pensais que t'as vu par oula 2 3 4 5 c'est bon, j'arrive à penser, j'arrive à parler, je pense que c'est bon. Vu que je pensais que t'étais plus avancé car t'as failli battre Chaos avec son Fox, alors je joue là je suis en attente de match, donc ça fait... C'est le dernier set. C'est le dernier set. Mais si jamais, je peux ouvrir la liste en attendant, chou. Je peux ouvrir la liste, ça c'est pas un souci. Hop, regarde. Tac. Je vais juste me mettre dedans. Juste laisse-moi me mettre dedans une minute. Hop. Voilà. Et là, tu peux te mettre dedans après. Tu pourras te mettre. Ah, Chaos t'a quitté. Attends, quoi? Chaos t'a quitté l'arène? Est-ce que tu... Kazuya Mishima wins. Tu veux juste faire payer Azor. Azor, laisse-moi gagner! Laisse-moi gagner si tu veux pas affronter un gunner après. Ah, c'est le plan. Bah nickel. Fais-le discrètement par contre. Serge a ragé contre ton gunner. Bah il a ragé contre mon amphi, donc à partir de là, on n'y peut rien pour lui. Oh, t'avais récupéré quoi? Ah, parce que je t'ai tapé, c'est pour ça que t'as récupéré ton hobby. Oups. Ah,
Oh le mec. Le mec hier. Oh je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu. Oh oui merci, tu remontes. Oh. Je suis bête. Ah. Ah le mec R. Jab. Non. Oh, je bourre. Oh, ta get up attack! Oh, tu l'as fait exprès là, Zor, tu mourrais pas! Et c'est une victoire pour Nobinobi! Ah, t'as même pas de DI! Du coup, bah attends, mais Chaos t'es déjà dedans, bah du coup, Chou, tu peux venir! Faut quand même que je vérifie de temps en temps. Du coup, Chaos, si tu peux laisser la place à Chou. Par contre, ça sera vraiment pas longtemps, parce que là, je vois que les matchs, ils se finissent dans pas longtemps. Je vois, il reste un set à faire. Il reste un set, donc 3 combats. Donc Chou, si tu veux venir pour le dernier match. Azor, je te laisse quitter. Non, Azor. Azor, pas toi, Chaos. J'ai lâché la manette avant. Ça s'est vu par contre, Azor. T'aurais pu essayer de DI. En vrai, t'aurais pu essayer de DI. Vu que moi j'allais venir te chercher. Très clairement, je me suis dit, ça meurt pas. Je vais venir au backer. Donc en vrai, t'aurais pu venir au backer dedans. Oh, quel troll. Au courant que c'est moi qui ai l'avantage là. Bon, là c'est toi du coup qui a l'avantage. Back air. Oh, je suis... Ah, ça a passé. Bah, d'accord. Oh.
c'était... Ah mais c'était Dash Prof que tu cherchais. Oh mais... Mais... Tiens. Oui, bien sûr. La 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 la. Laisse-moi remonter. Chaos, je peux ne pas jouer aussi hein. Pas un problème hein. Je peux venir time out, je peux venir attendre, moi pas de soucis hein. Si c'est ça que tu veux. Je peux jouer à ce jeu là hein. Si je dois jouer le matchup gunner, je joue le matchup gunner hein. Ça c'est pas un souci. Il y a trois plateformes hein. Il y a trois petites plateformes donc Oh mais arrête de faire ça par contre. Non mais t'inquiète Chou, de toute façon ça va être à mon match hein. Ça va être à moi de toute façon. Non, non, Rafi, t'inquiète. De toute façon, j'allais pas parler en plein match. T'en fais pas. Préparez-vous à combattre. Merci, H. D'ailleurs, je vous invite tous à faire ça sur, sur Chaos. Je vous invite tous à pointer Chaos du gun. Je vous invite tous. Ah, dommage. Ah non, je suis... Eh oh, je suis pauvre moi. Je suis pauvre, H.
contre Sephiroth. Ah mais Chaos, tu sais que c'est moi qui les ai fait les emotes, hein. Alors, ça c'est sur le papier Azor. C'est sur le papier. Hop. Ouais, gagner le neutral, t'inquiète, t'inquiète. Bon allez, je focus. Je suis Sephiroth dans tout road. T'as dormi. Ah ouais, non, ma faute. Pas. Ok. Merci. Je suis mort. Ah ouais. Bon, je connais pas le timing sur celui-là. Maintenant. Ah, trop tard. Et je me déconcentre tout seul. Bah oui, d'accord, ok. Ok, ok. La douille à billes s'est passée. Alors.
Ouais, Serge, il est un peu... du coup, je l'ai time out à la fin, il me dit... Ouais, mais Serge, il m'a dit un truc similaire, il m'a dit genre... Qu'est-ce qu'il m'a dit? Enfin, il m'a dit un truc similaire, mais ouais, il était bien salé. Hein. Ouais, c'est dommage. Ah, ça repart sur Smashville? Ok. Non, ouais, non, mais ça se dit pas, Chaos. Très clairement, c'est pas un truc qui se dit. Ça se dit pas. Pour moi, ça serait report pour bande de tourne, enfin pour bande de weekly, hein, très clairement. Ça, c'est une grosse preuve. Tu dois être fair play. Pour moi, c'était pas fair play, t'es ban. Bref. J'ai cross up un peu bizarrement. Oh non! J'ai chaud qu'il avait plus de saut. Voilà, c'est mort. Oups. Oh, je savais même pas que c'était possible. Oh, je bourre. Ah, les spaghettis là, ouais, c'était des gros spaghettis. Ouais, t'as raison, Hazor, mais je sais pas, j'ai envie de m'exciter, tu vois, genre... Tu vois, quand je suis en avant, je suis en mode, allez, let's go, je full in, quitte à perdre du stock, c'est pas grave, au moins, j'aurais essayé de mettre du spectacle. Ouais, non, mais, enfin, attends... Alors Hazor, l'avantage, quand je suis en avantage, c'est que je suis tellement habitué à mes moves que je suis en mode ok, donc ça passe, ok t'as jump, je te save B, ok t'as pas jump, je fais rien. Je connais mon avantage par cœur.
Alors qu'en neutral, vu qu'on a toutes les options, je me dis, si je fouline, surtout qu'en plus, là, très clairement, il aurait pu me tuer 50 milliards de fois, parce que je faisais masse dash attaque dans son shield. Mais ça, chut, faut pas le dire. Non, bref, oui, quand je suis en fait, c'est quand je suis en neutral, vu que je sais pas trop quoi faire, je me dis, bah en fait, si je le surcharge, je gagne. Je suis en winner. Là, c'est top 3. Top 3. Ah, et attends, Chaos, parce que là, il y a SP1, le Snake. J'aimerais bien y arriver, mais ça va être dur, le Snake. Ouais, pas lui, mais... ouais, je joue pas, Doc. Alors, Chaos, dis-toi que j'arrive mieux le match-up Snake que le match-up... Attends, y a quoi comme match-up que j'arrive vraiment pas du tout? Je suis en train de réfléchir. J'allais dire les Shoto, mais en fait non, parce que... Non, pas les Shoto justement, parce qu'en fait, au fil du temps, je m'amuse à dire que c'est mon Némésis, bon c'est le cas à cause de Turnaround, mais voilà. Mais au final, en fait, avec le temps, c'est plus le match-up auquel je gagne le plus. Je pense... Ah, je sais pas. Oui, mais je sais pas jouer Ryu. Je pense maintenant, en ce moment, c'est Cloud. En partie grâce à toi, Azor, en partie. Parce que tu sais que, à un moment, j'ai affronté YE en freeplay. Il m'a donné tellement de tips contre Kazuya et contre les Shoto. Alors oui, Cloud, moi j'ai un... Pour Cloud, c'est pas un slogan, mais j'ai une phrase culte, c'est que en online, tu ne peux pas punir Cloud. Du moins quand t'es en fille. En online, Cloud est impunissable. Tu peux faire ce que tu veux, chaque coup qu'il fera, ton temps de réaction plus le temps de réaction du jeu, fait qu'il est impunissable. Non, même avec une épée, tu peux pas. En fait, ce qu'il faut faire contre Cloud, c'est pré-shot ses coups et taper avant lui. Mais même ça, c'est... Ouais, c'est de la lecture de déplacement. Mais sinon, oui, c'est ça, c'est que... J'arrive mieux à jouer contre Snake, donc par exemple, le Snake de Tomberry. J'ai failli gagner un set, d'ailleurs. Que contre Cloud. Cloud, je sais pas pourquoi, j'y arrive pas du tout. Attends, du coup là j'en suis où? Je suis en attente. Est-ce que c'est BO5 le prochain match? Ou est-ce que c'est vraiment la grande finale? Ça c'est la question. Ah non, Marquis! Ah, Marquis Naga aussi c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Bah en fait, toi avec Max, ce qu'il faudrait que tu fasses c'est que... dès qu'il commence un landing, tu lances un smash. Genre tu vas vers lui, tu fais une armure. Tu vas vers lui, tu fais une armor. Dès qu'il lande, et là il peut pas faire grand chose. Mais ouais, c'est très risqué et si tu te fais hit, c'est mort. Ouais, Marquis, il est en train de se faire... Bah il a 0-1. Après, Naga c'est pas n'importe qui. Naga c'est un gros DK.
très gros dégâts même. Qui fait très mal. Ah ouais, on est d'accord avec le on, c'est horrible. Mais techniquement, c'est le match-up. Techniquement, c'est le match-up. Donc attends, là on s'en fout. De l'autre côté, on a Alphan Virgeture. Alphan, je crois, je l'avais déjà affronté. Alors, j'ai une vidéo de comment appréhender Cloud. Je l'ai jamais regardé. Attends, je vais dire ça, c'est dans mes à regarder plus tard, c'est Cloud versus Greninja 7. Elle dure 1h36. T'as à peu près tout. Attends, je vais dire qu'est-ce qu'il y a sur la vidéo. Il y a le Neutral Bee contre Amphi, tester de Dash Attack Bear contre Cloud, comment le faire efficacement, etc. La Recovery contre l'Hydro Pump. Il y a tester d'autres Dash Attack conséquences avec Amphi contre Cloud, le Ledge Trap. Il y a le désavantage. Enfin, comment on peut faire en gros pour punish Cloud. Combien de dégâts on peut faire quand Cloud est en désavantage. Comment réagir quand on est en fille, enfin comment réagir à un Cloud. Ah, il y a quoi d'autre. Tester les combos, tester le plateau en combo. Faire un air out of shield pour voir si ça passe. Même si bon, ça passe pas parce que Abby. pareil, il explique le up tilt en neutral que ça peut faire de la merde. Les dents tilt, etc. Comment appréhender le neutral. Comment appréhender le désa. Comment appréhender le ledge guard. Donc il fait des tests aussi. Enfin, il fait plein de trucs. Et franchement, un goat. J'ai juste pas eu le temps de regarder. De base, le mec, je crois le mec c'est un main Cloud justement. Je crois que c'est ça. Ouais, mais en gros en fait, même s'il explique pas comment, enfin il explique carrément le match-up. Alors peut-être du point de vue de Cloud, mais si tu connais le point de vue de Cloud, tu peux très clairement le mettre en point de vue en fille. Ça c'est pas dur. Azor, décide-toi, prends un second. Je sais pas, attends. C'est vrai que t'as tellement de secondes toi, attends, t'as qui. T'as Kazuya, t'as Lucina. Non c'est Marthe, pardon. T'as Kazuya, t'as Marthe, t'as Ryu, t'as. Ike, j'ai un doute. T'as peut-être Richter. Oui, non, je me suis fail. Non, pas Lucina, Marthe. Marthe, je me suis juste trompé. Ike, bof. Ouais, c'est bien ce que je me pensais. Ah merci Chaos. Tu sais que c'est moi qui les ai faits. De mes propres mains. Ouais c'est moi qui les ai faits. Bah justement attends. Non je l'ai pas mais. En gros. Aujourd'hui ce que j'ai fait c'est que j'ai refait le cœur. Le cœur je l'ai refait. Je le trouve bien mieux que l'autre. Je l'ai déjà montré en début de stream mais je peux le remontrer, c'est pas un problème. Non, ça c'est un texte. Je m'en fous du texte. Eh salut Crimson, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Alors Chou, non, je suis pas un pro
On va dire je me débrouille. On va dire que je me débrouille. Donc du coup voilà, ça c'était mon ancien emote de cœur. Et là, la nouvelle, celle qui est en ce moment, c'est celle-là. Il y a quand même un petit glow-up. Je vous le confirme, il y a un petit glow-up entre les deux. Un minuscule glow-up. Ouais, la nouvelle est bien mieux. Après, si... En parlant de ça, attends, je vais dégager l'ancienne. Je vais mettre l'autre. Et j'ai un doute, je sais pas c'est laquelle la mieux entre la rouge et la bleue. Vous me dites. T'as failli switch sur Samus à un moment? What? Non, Crimson, tu comptes pas. Tu comptes pas, Crimson. Tu comptes pas du tout. Ouais, la bleue, je la trouve bien stylée aussi. J'avais un petit doute entre les deux, mais je me suis dit, autant mettre la bleue ça représente un peu plus l'eau. Ouais, donc ça serait la bleue qui gagne. Alors, eh bah Crimson, ah mais c'est pour ça du coup que je gagne, parce que je te pisse dessus et du coup... Si, il y a une autre emote aussi que j'ai voulu faire. Mais je suis pas fier. Je vais vous la montrer un peu en preview, mais je suis pas fier du tout. C'est celle-là. Mais vraiment, je suis pas fier. Je vais faire autre chose. Celle-là, non. Je sais pas, il y a comme un truc qui manque. Je saurais pas dire quoi. Peut-être en fait la taille. La taille qui est mal proportionnée. Mais ouais, je suis pas fier du tout. Du coup, c'est pour ça que je vais faire autre chose. Ouais, je suis toujours au marais, Zozo. J'ai réussi à 2-0. Oh mince, maintenant, c'est mon match. C'est mon match. Oh merde. Non, il est pas fini le tournoi. C'est... Oh putain. Allez, vite. Oh, ok. C'est bon, j'ai réussi à faire ça, attends. Oh, t'as une Naga, let's go, Marquis. Du coup, il me refaut l'ID à moins que je l'ai... Je crois que je l'ai save. Mais Crimson, ça le fout Crimson. Merci beaucoup. Oh là là. Préparez-vous à combattre. Je me souviens de Crimson qui disait ouais je vais arrêter un petit peu je vais arrêter un petit peu le... Les dons, enfin les dons, les subs. Et là il en fait un chez moi. Mais incroyable. Incroyable. Ouais, pour les belles emotes, c'est... Je m'amuse à les faire. C'est quelle map, attends. Ah, Snake. Allez, c'est parti. Thank you.
Hop, la grenade. Dégoûté. Ça va être un que tu allais faire. Je suis bête. Ah! Mais vas-y, vas-y, spam, 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 je dirai rien. Hop là, voilà, tu meurs d'un jab. Ok. Ah ouais, je t'ai envoyé autoroute de Zomarki. Non, la marquise c'est plutôt... Oh, les gros pieds. C'est plus les pieds, là, du coup. Quelle map? Yoshi Story. Ok. Je vais m'hydrater.
Je m'hydrate, je m'hydrate. Hop, on part sur Yoshi. Je ne sais pas viser. Une bonne hydratation pour un bon match. Ah ouais, bah du coup là c'est moi, c'est moi. 3, 2, 1, partez. Pourquoi je roll? Regardez mon shield. J'ai pas couru. Ok. Non, ah le père j'étais mort, je le dis.
Oh là là! Je pensais pas du tout, je pensais qu'il allait refaire un up tilt. Je pense que là... C'est vrai qu'il a des grosses fesses. Oh, je suis dégoûté là. On s'est bille. Ah, je suis mort. Ouais, non, 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 non. Cover me!
Je suis mort. Non. Bordel. Je savais qu'il allait get up normal. Il avait de la rage. Et merci Ed pour le follow. Non, c'est pas fini. C'est BO5. T'as raison, je vais boire. Je vais boire. Les deux prochains. J'ai déjà une win. J'ai envie de reprendre l'aile, attends. Je vous le dis. Allez. Ah ouais, bon, on m'entend boire, ça c'est normal. Ouais. Je suis trop proche du micro. Du coup, vous m'entendez boire. Oh non! Merci, je meurs pas, hein. Et je... Oh. J'ai pas reset mental. Mais vraiment, mais meurs un moment.
bise. Oh, je commence à en avoir marre. Je veux juste qu'il meure. On est juste mort. Merci. J'avais pas reset mental. Je vais pas lancer d'arène tout de suite. Il faut que je me calme. Et je pense qu'en quelques sets, ça va aller. En quelques sets, ils vont passer. Un méta, je t'imagine pas à quel point c'est dur de reset mental. Peut-être Rafi, mais là, je préfère éviter de parler parce que je pense que ça s'entend à ma voix. Ouais, désolé hein, si je parle pas, c'est juste que quand je suis comme ça, soit... Oh là là, oh je tremble. En fait, souvent quand je suis sans, dans ce genre de choses, je préfère rester seul, enfin rester seul. Rester sans voix pour tout faire dans ma tête. Parce que je déteste m'entendre comme ça. Avoir la voix tremblante comme ça, c'est... C'est tellement perturbant. Je pense que je vais vous laisser jouer en attendant. Je vais vous laisser jouer, je vais faire un petit peu de la ligne.
Tout en restant calme, tout en restant... Préparez-vous à combattre. C'est horrible. Tout en me reconcentrant par la suite aussi. Hop. Je peux rejoindre, je vais noter les dix en même temps. Si vous voulez jouer, bien sûr, entre vous. Pas sûr que Chaos y soit là. Pas sûr, pas sûr. Ah si, il est encore là. J'en profite pour remonter. Pour remonter tout ça. Oula, attends, mais je suis loin. Avec qui vous avez beaucoup parlé entre vous pendant mon set, je vois ça. Ok, donc t'es là. Donc du coup, Marquis galère avec Sgal. Ok. Je relis un petit peu. J'avais vu qu'il y avait un gros message de Ed. Ok, alors du coup. HCL, ça me... What? Mais... Ed, je sais pas si t'es encore là. Je sais pas si... Ah non, t'es plus là. Mais Ed, vraiment, c'est... 2, 1, c'est juste n'importe quoi. Parce que si... Enfin... Ok, le girl cord, c'est pour les filles. Enfin, c'est spécialement pour les filles. Mais je vois pas pourquoi... En plus, je sais même pas qu'est-ce que t'as fait sur le girl cord. Si c'est faire des tournois, là oui, je peux comprendre, même si bon... De là jusqu'à aller à la police, non, c'est non. Mais si t'es juste allé sur le girl cord pour être sur le girl cord, bah. Non, y a juste aucune raison. Ah, ok, d'accord, t'as expliqué la suite derrière. Ok, donc apparemment tu cyberas ça alors que t'as. Après, attends. C'est possible que. Que t'es peut-être NP quelqu'un qui était dans le girl cord et peut-être que cette personne n'a pas apprécié ton TMP. Enfin, c'est possible. Ah merci Crimson, mais j'ai poste commande. Il faudrait, ouais, il faut que je reprenne mes esprits. Merci Zouzou. Bah ouais, Chou, tu peux rejoindre. Faut que je regarde juste la liste. Oui, tu peux rejoindre, Chou, tu peux totalement rejoindre. C'est ce qu'il a dit au-dessus, apparemment. Il a harcelé quelqu'un dans le girl cord alors qu'il a jamais parlé dessus. Fin... Et aussi, du coup, il a été banni du bundle cord. Pour la raison... parce qu'il était sur le girl cord. Enfin, aucun sens. Aucun sens. Ouais, un peu bizarre. Je suis d'accord, c'est très bizarre. Wins.
Ok, je regarde un petit peu Chou, Chou contre Azor. Je sais que Chou a un niveau vraiment pas dégueu sur, sur sa harmonie. Après sa Pichu je la connais pas. Ah ouais, mais Azor aussi, on a tellement joué ensemble que Ronfield le connaît bien. Enfin, il connaît surtout bien mon gameplay. Je suis pratiquement sûr que si Azor joue contre Yanos, il va avoir un peu plus de mal. Ok, je vois que Chou elle a heal, elle, je sais plus du tout. Chou, tu me diras après le match. Bon, du coup, Chou a un peu de mal. Après, bon, c'est Azor. Azor, on le connaît, il fait très mal. Kazuya Mishima wins. Ouais, là je suis désolé, j'anime de moins en moins, mais faut vraiment que je reprenne les esprits. Je peux reparler sans trop trembler, là ça va. Même si... Vas-y, Rafi, vas-y. Ouais, Azor, il est fort. Et Touch, alors, je t'avoue que je crois pas au... Je pense pas, en fait, que la méditation, ça va m'aider. Au contraire, même. Je pense que ça va encore plus m'énerver, parce que quand je vais essayer de méditer, je vais juste pas réussir, parce que je vais penser au match, si je le fais vraiment à l'instant T. Respirer, oui, ça peut fonctionner, mais là, en fait, ce qu'il me faut dans ce type de moment, c'est vraiment, moi, c'est je reste calme, je me mets dans un endroit calme où il n'y a pas de bruit, et je reviens 15-20 minutes après, quand je suis bien calmé. J'espère que t'as jamais essayé Kimson. Ah. Tu devrais pourtant. Ça... Ah mais non, si, non, je sais pourquoi t'as arrêté de respirer Kimson. T'as arrêté de respirer parce que justement t'as arrêté de jouer à LoL. Et donc du coup, c'est la solution. C'est la solution d'arrêter de respirer comme ça Kimson. Lui, il tilte plus. Ah, j'ai compris en fait. J'ai tout compris. C'est donc ça ton secret Crimson. Je l'ai découvert. Le
de l'oxygène. Ah là c'est vrai. C'est vrai Kev, c'est vrai. Kazuya Mishima wins. Respire en 2022. Ouais. Mais du coup là je regarde, là j'en profite pour regarder, mais en taureau de marquis, il y a un 1 pour l'instant. Il y a un 1. Ah mais oui, Marquis doit le camper de fou. Il doit pas du tout jouer comme moi en fait. Ah oui, ouais, mais du coup s'il le tue pas, ça va être compliqué. Ouais, Rafi, il représente. Hein. Surtout que la DT, y a pas que Azor, hein. La DT, y a qui d'autre? Y a Ragnar. Je pense le meilleur Ganon FR. Je sais pas s'il y a d'autres. Je connais pas trop la DT. Bon, du coup, je sais qu'il y a Marquis aussi. Après, je connais pas les autres membres. Yasgal, Oska. Y'a Noxia aussi. Ah ouais. Kiko. Oh mais non mais. Ouais non, les provoquez pas. Provoquez pas la DT. Ne provoquez pas la DT. Mauvaise idée. Bon, vu des joueurs, oui. Oh, Marquis, il a gagné contre 30 euros. Nice. Maintenant, il se tape Curacao. Oui. Je crois que c'est full chaos. Ah tant pis. Il y aura un autre jour. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi ça joue plus?
Azor? Azor, t'es-tu là? Ah, ok, bon, il est de retour. Ok, bizarre. Kev, je pense que dans la CS, il n'y a pas grand monde qui joue skin rouge. Hein. Parce que Dijon, le Wario de Dijon, il joue pas le skin rouge. Rafi... Ah non, c'est vrai, oui, bah non, du coup, Rafi joue Mewtwo. Rikon, je crois pas qu'il joue le skin rouge non plus. Tu devais brancher la Switch, oh là là, mais hasard. Ouais, c'est fou du coup, Chaos. Ah, bah Rafi. Rafi est parti, donc Chaos, si tu veux rejoindre. Si tu veux rejoindre Chaos, il y a une place. Ouais, Rafi, c'est ça. On va dire ça. 3, 2, 1, parti! Tu vas? Ça marche, Touch. Et bah, bonne soirée ou bonne nuit, ça dépend. Non, si, je pense toi, ça va être plus cette bonne nuit. Mais merci, bonne nuit à toi. Salut Kozialk, comment ça va? Alors, avant que je perde mon Snake, ça allait. Mais ouais, là je suis en train d'essayer de reprendre le moral pour la suite du tournoi. Je suis en train d'essayer de, ouais, de reprendre du moral, de reset. Ouais, ça a été dur. Ouais, reset le neutral, ouais. Qu'après tu dis ça, mais le truc c'est que nos niveaux ont rien à voir. Tu dis que t'es nul avec ton Pikachu contre moi, oui, mais contre d'autres personnes tu seras peut-être fort. Et moi là, si je prends ton exemple, je peux très clairement dire que je suis nul contre SP1. Je peux clairement dire ça parce qu'il m'a battu, mais ouais. Si ça dépend de mon mood, mais la plupart du temps je suis pas comme ça. Surtout que je sais que je peux le battre à chaque fois. Enfin, les games qu'on avait fait avant que je perde le mental, c'était last hit last stock, très clairement. Qu'est-ce que tu racontes, Crimson? Qu'est-ce que tu racontes, Crimson, comme connerie? Kazuya Mishima wins.
Oh pardon, je pourrais te répondre aussi comme ça, Crimson. 3, 2, 1, partez. Mais là, j'ai pas d'idée. Tout simplement, j'ai pas d'idée. Même pas cap. Ouais, ok, d'accord, d'accord, ok. Faut juste que je trouve une petite idée là. Après ouais, faire des métaphores. C'est quoi une DA? C'est une dash attack. Tout simplement. C'est l'acronyme de dash attack. Non Crimson, non. Non non, c'est pas ça du tout. Oh, Marquis qui a 1-0 Fura pour l'instant, ça s'annonce bien. Mais rien n'est joué. On va pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. Alors, Crimson, si tu pensais à varier, c'est non. T'avais envoyé? Ah non, j'avais pas vu, désolé. En vrai, non, il y a pas tant de monde que ça qui déteste Firos. Hein. Non, non, c'est Firos, c'est pas le DLC. Non, non. Même, bon. Les gens ont râlé parce que c'était encore un épéiste, mais ça, Osef. Hein. Mais très clairement, c'est Firos. Non, il est pas détesté, il est même apprécié. Oui, alors Rafi aussi, il faut apprendre le match-up. C'est pas parce que tu perds contre. Ah non. Ah attends, ah quoi que ça se dispute hein. Les bons cancers là, Steve, Sonic, Banjo, Minmin, Aegis aussi, ça commence à se faire détester de plus en plus. Hein. Je suis en train de chercher d'autres personnages qui sont cancer. Oui bah ouais, c'est. Je te comprends Rafi, c'est comme moi jouer avec les Chotos. J'y arrivais pas du tout contre les Chotos et depuis que j'y arrive. Depuis que j'y arrive, bah. Ok, j'aime pas, mais maintenant. Maintenant, je sais quoi faire. Kazuya Mishima wins. Je pense que. J'ai repris un peu de mes émotions. Je vais revenir un peu dans l'arène. Oh là. Je vais revenir dans l'arène. Ah, le Mac. Et reboudi. Trois, deux, un.
T'inquiète, Azor, là c'est juste pour me réchauffer un petit peu. Pour me chauffer un petit peu, une fois que j'ai repris mes émotions. Je sais plus sauter. Oh mon dieu, je grabe. J'ai même pas réussi à te toucher, la honte. Je sais pas ce que j'ai fait là. Smash, hop, smash. Voilà, bonne chance pour remonter. Quand tu touches avec ton hubby, tu vas moins haut. Ah ok, bah c'est pour ça. Non Rafi. Rafi, Boudi, pardon. Non, désolé Rafi, t'as rien à voir. Non Boudi. Non, non, pas de... Non, je suis pas d'accord. En plus d'essayer de me douiller sans demi-centime. Ça existe même pas. Non Rafi, non. Fais gaffe hein, sinon moi j'ai un gun. Moi j'ai un gun, hein, fais gaffe. T'as rien comme ça dans l'otage. Oops.
hashtag back air. Ah mais ton Lima il a tapé avant. Ça prouve le buffer de teammate hein, qui est vraiment insane. Oh non. C'est horrible là ton Lima. Dégage. Normal. Ah ouais non, là t'as dormi. Je faisais F smash, ouais mais j'ai changé tu vois. Maintenant quand je sais que les gens ils dorment, j'en profite. Oh merde, attendez, non. Je peux pas, c'est mon tour. Je suis contre Marquis. Ah il va plus vite que moi le hasard. Ah ouais j'ai gagné. Speedrun de SD, c'est ça. Ouais, là je dois. Ouais. J'avais pas fait gaffe. Hein. Ouais, contre Marquis. Tu sabotes ton mate. Et de base, Azor, c'est... Je suis plus ton mate que Marquis, hein, à la base. Ah, je vais lui laisser quoi? Ouais, vas-y. Hein. Vas-y, tu sais quoi? Oh là, attends. Oh là, je fais n'importe quoi dans les bannes. Oh, calme-toi. Ouais. Bon, déjà, c'est pas sur la LAT, ça c'est sûr. Je pense que ça va partir là-dessus. Je pense clairement que ça va partir là-dessus. Tu reviens, Azor ? Ça marche, à toutes. À tout de suite. Ah, je lui ai fait faire un choix compliqué, ouais. SBF.
Alors Woody, j'ai une meilleure offre. Hein. Tu gagnes contre le snake du tournoi et là je t'offre une de mes pattes. J'aurais dû t'en tilt. Oh, bien joué ça. Meurs pas. Je meurs pas non plus. Ça va, il a pas touché le sol. Là, je suis mort. Ah, Marquis, attention, attention. Ok. Pas spike. Je fais n'importe quoi. Oh là là, je fais n'importe quoi. Et c'est une victoire pour Salus sans armure. Salut Munja.
pauvre fou. Je vais garder mon saut, mais du coup je suis dans la merde. Ah. Oh, je choque là-dessus. Ça y est, je sais plus jouer au jeu. Ah, bordel de... Mmh. Oh. Je bourre un shield en plus... Ah là là, pourquoi je reste pas mental, moi? Oh oui, bah oui, bien sûr. J'ai plus de saut. Je meurs. Oui, j'adore les lattes. Non, mais non. Oh, je joue comme une merde! Je joue comme une putain de merde! Casse les couilles! Et c'est une victoire pour Samus sans armure! Putain, ça me casse les couilles là, vraiment! C'est bon! Là c'est bon, je tilt! Là c'est bon, vous voyez là? Là c'est ma putain de vraie face! Là quand je n'ai ras le cul, ça se passe comme ça, voilà, c'est bon! Là c'est bon, je passe en roue libre! Casse tes couilles, putain! Alors Kev, dans ces moments-là, je te déconseille très franchement de faire une blague. Vraiment. Je peux être très violent. Très violent. Trois, deux, un, partez.
Ah mais. C'est bon, j'en ai marre, c'est bon, vas-y, je joue plus. C'est bon. Mais bon, je vais pas jouer en fait. J'en ai putain de marre de ce jeu de merde. Oui bah oui bien sûr, ça passe jamais ça quand je veux faire ça. Il saute tout le temps, je peux rien punir. Mais putain. Même pas capable de le battre, alors je l'ai vu, je le barge 24, ça me casse les couilles. Et ça se up smash aussi. Putain. Et comme par hasard, elle t'attaque pas. Oh là là. Oui, bah oui, bien sûr. Eh oui, bah oui, mon dentifère il marche pas non plus. Ah. J'en ai marre, j'en ai putain de marre. Oui, c'est bon, putain. Mais putain! Jeu de merde! Vraiment, jamais je me tranche dessus, normalement! Vas-y, c'est bon! Putain! Vas-y, c'est bon, tu veux faire ta star? Vas-y, fais ta star, fils de pute! C'est bon, vas-y, ça me casse les couilles! C'est bon, voilà! Vous avez gagné! C'est bon, j'ai rage quit! Vous êtes content? Putain! Vas-y. C'est bon. Putain.